Alors là, on va arriver bientôt au pont de Toiré. Toujours par le GR3, la voie sur berge. On va apercevoir sur la droite la guinguette. Voilà, c'est juste ici. Sur la droite, nous on continue par la droite. On va pas passer dessus le pont, c'est une autre variante. Nous on va passer dessous en direction de Mauves-sur-Loire par le GR3, le long de la Loire. Voilà, on continue par là. Et donc là on arrive à la hauteur de Toiré-sur-Loire, qui est sur notre gauche. Donc on est sur la rive droite de la Loire. Petit coin pique-nique, petite halte. Voilà, on va récupérer une route partagée où il y a plus de vélos que de voitures. Voilà, direction Mauves. C'est parti. Et on continue droit. C'est un petit trajet, mais assez confortable sur du bitume. C'est bien roulant. Nous emmène dans le bourg de Toiré. Nous on continue en direction de Mauves-sur-Loire par cette piste. Bon, qui est assez confortable. Même pour des attelages, il n'y a aucun problème. Donc c'est très roulant. Et la Loire est sur notre droite. Ça roule tout seul. Sur la droite qui nous dit promenade de Loire avec beaucoup de piétons, mais là c'est tranquille, un jour de semaine.
Alors sur notre gauche, il y a beaucoup de tenues maraîchères. Forcément, c'est le long de la Loire, donc il y en a tout le long pratiquement. On aperçoit des exploitations, les tas de sable. Petite partie ombragée,
Sur la gauche, il y a les tenues maraîchères et à droite, c'est la Loire. Ce tronçon est beaucoup utilisé en période d'activité, d'estival. C'est les très roulants. Voilà, on voit les entreprises maraîchères sur la gauche. Toujours. Et Mauve sur Loire, c'est tout au bout de ce tronçon. Exploitation maraîchère sur la gauche, du muguet notamment, mais là au mois d'août, c'est autre chose. Voilà, quelques cyclistes sur cette piste, et donc on va arriver bientôt, les panneaux, on va arriver bientôt à Meaux-sur-Loire. On prend le couloir de droite, réservé aux cyclistes, tandis que la voie de gauche nous en retourne sur la route départementale qui va à Meaux-sur-Loire. Nous, on va continuer par cette piste en direction du pont de Mauve. Continue. On va arriver bientôt à un tunnel SNCF. Sur la gauche, les panneaux. Voilà, on continue sur notre piste. Voilà, donc direction Oudon et Ancenis.
que les panneaux nous indiquent tout ça. Et on continue tout droit. On va arriver au parking de la plage de Meaux-sur-Loire. Avec un panneau sur la droite qui nous dit de continuer. Donc là, on aura une variante. Soit on traverse le pont de Mauves, on change de rive, soit on continue par-dessous le pont en direction de Houdon et Anceny. Voilà, on descend direction la guinguette de Meaux-sur-Loire, la plage où on aperçoit le pont. Donc il y a une variante, soit par-dessus qui rejoint la rive gauche, et nous on continue par-dessous le pont par la rive droite direction Houdon et Anceny. La petite pause à la guinguette, mais un jour de semaine il n'y a pas grand monde. Donc nous sommes à la cale de Meaux-sur-Loire.